Il s'est planté comme ça, un jour. Devant nous, direct. Et il a dit, ouais les filles, on va faire du théâtre. Ça va être super, on va faire apprenti scène. Il s'agitait tout seul le mec. Il était là, tout énervé, tout excité, avec son délire de théâtre. Il a dit qu'on allait parler de notre métier, que ça allait être super. Super? Parler de notre métier, tu parles? Lui, il parlait du sien par contre. Il s'agitait tout seul avec ses petits bras. Il parlait que de ça d'ailleurs. Son métier, super relou le mec. Il voulait qu'on parle du nôtre aussi. Et toi, tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bref, on devait faire un sketch avec lui. Une scénette de théâtre. Un truc qui disait vantez les mérites de votre métier. Tu parles comme si on avait choisi notre métier. Franchement, t'as choisi de faire ce que tu fais toi? Ben un peu quand même. Hein? Et toi, tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah, c'est pas par vocation qu'on devient secrétaire. On dit plus secrétaire, on dit assistante de direction, ma chérie. Okay. Secrétaire, c'est un meuble à tiroir. Un quoi? Un meuble à tiroir. Regarde un peu ton dictionnaire. Meuble à tiroir, destiné à ranger des papiers. MDR, mais c'est toi le meuble à tiroir? Ouais. Ouais, mais c'est aussi une personne qui s'occupe du fonctionnement et de l'organisation. Mmh. Mais c'est quoi la différence entre assistante et secrétaire? Bah, les tiroirs. L'assistante de direction travaille directement pour le directeur. Elle l'assiste. Alors que la secrétaire peut travailler pour n'importe quelle personne, mais pas forcément à la direction. Mais sinon, les tâches sont les mêmes. Et c'est toi la tâche? Ouais, si tu veux. Ok. Ouais, faut bien reconnaître que les tâches ingrates, c'est un peu toujours pour notre gueule. Et en fait, pourquoi on dit tâches administratives? Bah, à ton avis, pour que tu les nettoies. Avec ta petite brosse de secrétaire. Ta petite brosse rangée dans tes petits tiroirs de secrétaire. Et toi, tu dis rien, dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais c'est ça qui nous a demandé le théâtre, de réfléchir sur les mots de notre métier. Les mots M-A-U-X ou les mots M-O-T? S. Quoi S? Bah si tu dis les mots M-A-U-X, tu dis les mots M-O-T-S, c'est pluriel. Mmh. L'orthographe, c'est quand même important dans notre métier. Bah... Finalement, je préfère quand tu fermes ta bouche, hein. En fait, c'est les deux, les mots et les mots. Les mots M-A-U-X, on les connaît toutes. Toute la journée, la tête dans ton ordi à structurer des mails et bla bla bla. Mais t'aimes ça toi, structurer des mails? Ouais. Et dresser des factures, t'aimes bien? Aussi. Et faire des bons livraisons? Mmh. Oula. Sans oublier les cafés. Ah oh, ouais. Notre bureau, c'est la boutique Nespresso. Starbucks Open Bar. Mon bureau, secteur commérage de la pause blabla. Et toi, tu dis rien, dis quelque chose. Bah qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah je sais pas, tu peux participer, nous donner ton avis. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, mon avis? Ça y est, c'est le grand débat, on va sortir les gilets jaunes. Ben, en fait, tu pourrais juste nous dire ce que t'en penses, Miss Orthographe. Ben, je vais te dire ce que j'en pense. Moi, je préfère parler des mots M-O-T-S que des mots M-A-U-X, parce que j'adore mon métier. Même si on me confond avec un meuble à tiroir, parce qu'au moins, un meuble, ça ne fait pas de bruit. Et moi, j'adore travailler dans le silence, je travaille mieux dans le silence. Mais aujourd'hui, on n'enterre plus rien, on dévoile tout. Entre nous, les filles. C'est à qui que le patron, il confie ses doutes, ses joies, ses peines, ouais, ses états d'âme? Ben, c'est à nous. Et ça, ça me fait plaisir, parce qu'il a confiance dans sa secrétaire et qu'il sait que je le protège avec tous mes tiroirs à silence. Moi, je sais taire les secrets, c'est mon taf et je m'y applique. Je suis plus qu'une assistante, je suis une secrétaire. C'est bon, t'es contente, j'ai dit quelque chose? Ok. Ouais. Et ben dis donc, on l'entend pas souvent celle-là, mais quand elle cause, hein? Et ben voilà, mes chéries, en fin de compte, c'est le théâtre qui sera content. On parle enfin de notre métier. Salut les filles, comment ça va? Allez, je suis content de vous retrouver. On va faire du théâtre, ça va être super. Putain, quand on parle du loup, voilà le relou. Secrétaire, beaucoup de secrets à taire, mais pas mal de choses à dire.